Salut, moi c'est Conan Ferdinand, l'ébéniste international. Aujourd'hui, je suis à 250 km de la capitale Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un travail. Ici, vous pouvez voir là un appartement. Ici, on ne voit pas. De l'autre côté se trouvent quatre appartements auxquels nous avons meublé la cuisine. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire quelques finitions. Et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous donner quelques pépites, quelques informations en matière de ménagerie. Et le conseil que je voulais donner aujourd'hui est que lorsque un client, lorsque vous devez commander quelque chose sur un menuisier, nous vous prions de pouvoir respecter certaines étapes. D'abord, de pouvoir faire un échantillon avec le client, de pouvoir vérifier et valider ce qu'il dit. Et ensuite, pouvoir lui donner entièrement le contrat. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous décidez de donner entièrement le contrat à un menuisier, aujourd'hui je suis dans le cadre de la boiserie, vous investissez tout votre argent, vous payez et à la fin du travail, le rendu n'est pas comme ce que vous avez souhaité. Et du coup, vous regrettez d'avoir mis autant d'argent avec ce dernier et vous n'avez pas le résultat escompté. Donc l'idéal souhaiterait que lorsque vous voulez signer un contrat avec un menuisier, ce serait mieux et ce serait préférable que vous fassiez un échantillon. L'échantillon permet de valider la qualité et le niveau de connaissance de l'ouvrier. Ensuite, vous pouvez encore continuer à signer d'autres contrats davantage. Voilà ce que je voudrais expliquer ce matin. On est beaucoup chargé. Je ne serai pas long et continuez à me suivre car vous allez comprendre et avoir de bonnes informations pour éviter de dépenser inutilement votre argent. Merci et à bientôt. Ciao.